Il est le fils d'Alfred Gélin, employé aux écritures dans l'usine Berthelot, fabrique de cordage et toile de chanvre d'Angers, et Yvonne Leméné, ouvrière dans la même usine. D'origine bretonne, il a une sœur Monique née en 1923, décédée en 1975. Son père est nommé sous-directeur d'une usine à Saint-Malo en 1931. Ancien élève du lycée Institution Saint-Malo, Daniel Gélin est condisciple de Jean Lebeau, professeur des universités et amateur de marine. Mais Daniel est un élève indiscipliné. Son père lui trouve une place d'ouvrier dans une conserverie de morue de Saint-Malo puis, d'aide-magasinier dans un atelier de cordage.